Je dois protéger la nature. Un guerrier, c'est Motova, on l'a battu tout à l'heure. C'est Motova contre guerrier. Parfait. Motova. Je suis à combien de victoires en fait? Parce que je passais quasiment. Je suis à 47 victoires, 25 défaites avec ce jeu et 65% de win rate. Très bien. I'm only human after all. On va l'attaquer, parce qu'on attaque. Merci à Enerion. Eh oui, le resub à 1$. Merci à Enerion. Merci le September. C'est ça qu'on veut voir. Ça te dit pas si je mange devant ton stream? Bien sûr que non. À ta place, je me priverai pas. Aou. Aou. Écoute, ça va bien. Je fais plus qu'une game. Faut faire Patrick Étoile. Je fais plus qu'une game de passer légende. Donc ça va très très bien. Et merci la Judgment pour Twitch Prime. Merci à toi. Et sa jeune œuvre corne avec Arne. De toute façon, il va prendre le trade. La main de l'ennui, ce que j'ai. C'est le moment où le yo-yo va commencer. Non, pas le yo-yo, patata yo-yo. Oh. Allez, on prend cher. Il a pas du tout trade. Ouf, ok. Marrant, ça permet de vider un peu la main. Je suis pas m'en plein. Sony Folk. Oui. Donc Sailis tout de suite, de toute façon j'ai toujours pas grand chose à faire. Ouais, attaquer. Pas la maxi folie. I'm a new human after all. J'ai trop la dalle, faut que je la gagne. J'ai rarement eu aussi faim que ça doit faire. Le 17 octobre, c'est parce que sur le jeu, ça doit être la 101 avec les. Avec l'amour. Avec les. Les doubles arènes, choisis deux classes. C'est sympa ça d'ailleurs. J'en ferai quelques-unes du coup. Ouais. Hors de ma jungle. Hors de ma jungle. Alors, je vais jouer cette croissance. Ça paraît illogique de jouer la croissance maintenant, mais c'est uniquement parce que je suis dans une optique où il faut que je vide ma main. À cause du. Après, je peux diviser ma main autrement, ceci dit. Je peux jouer deux cartes comme ça. Ouais, pure Melgo Simmer en fait. Bon, on va pas se mentir, on sent pas un peu les steaks. Qui décède, c'est pas le bail du jeu. Comme ça, on monte à 6, à 10. Bim, on aura bien une carte à 0 entre Moonfire et Arcane Tyran. À jouer. Tu as choisi quel champion je vais acheter? J'ai pris Super Saiyan.
Bon. Donc il veut me réduire au silence, et surtout il l'a pas réduit au silence lui, c'est ouf. Dire que ça passe crème. Mais par contre ça fait de la maxi PLS ça. Il y a une chance sur 11 que je perde la game, c'est ouf. Aïe aïe aïe. Ah je me dis sur Just Saiyan. J'ai pas eu de bol. Ouais. Pas la bite, s'il vous plaît. Ouais. Allez, pas la bite. Non. C'est bon, sauvé, ouf, ça va. Ça fait moins de 10%, c'est bon. Facile. Les rageux rage. La petite Twilight. Ah. Très content de ne pas l'avoir prise. Bon, normalement on est mieux là. Enfin, on a plus de possibilités de faire la combo. Je peux pas la jouer ce tour-ci parce que je peux pas jouer ça en même temps. Ok, ça. On a la combat dans deux tours. Peut-être même au prochain. Bah, moi, tu vas pas faire de yeux. Bah, pour l'instant, c'est pas le but. Peut-être même au prochain si je joue, on va voir. Tu nous feras un petit stream sur Assassin's Creed, mais c'est prévu dès qu'il sort en fait. Il sort à 18h sur Steam. Du coup, je l'ai pré-acheté. Ah, il est en pré-chargement et j'attends. Je dois pouvoir jouer. Et pour l'instant, je ne peux point. Je sais pas, 11 à 5, j'ai pas besoin de faire la combo en deux tours en vrai. J'ai pas besoin de faire la combo en deux tours. On peut le faire tout de suite et être sûr que sur Azalina je perde pas la game. Ça me va. 2, 4, 6, c'est bon. Acclim. Acclim. Et tout va bien. Comme ça, c'est vite de perdre la partie sur Azalina. Comme ça, elle a pas de carte. Et voilà. Et il perd une play. Parce que je fais plus les 4 là et hop, plus de place pour le cadeau. Et là il a perdu. Tu as mangé quoi après? Un reste de yaourt, des haricots rouges et des saucisses. Non Nimrock, te fais pas chier à vouloir faire la combo avec... Sympa son jeu. Te fais pas chier à faire la combo avec manipulateur si t'as pas gloop, ça marche pas en fait. Parce que le principe c'est de mettre d'abord le Maligos qui se jurait de mettre gloop en face.
Mais un truc genre une colère pour piocher un peu, ou un deuxième Ferocious Hall, ou un truc comme ça. Peut-être lui voler sa main au prochain tour. Dans le Maligos normal, le fleuriste est vraiment indispensable. Bah dans Maligos normal, fleuriste c'est extraordinaire parce que ça permet de mettre Maligos plus Gloop dans le même tour et de claquer balayage et Moonfire, Moonfire. Du coup ça te permet de faire un swipe à 14 into 2 Moonfire, Moonfire à 11 qui permet d'OTK l'adversaire. Du coup c'est obligatoire. On va voir la main adverse. Je savais que je voulais lui faire confiance, deux assemblages Oméga. Allez. Ouais, jouer Maligos sans Gloop. Ouais, même sans Gloop en fait, même sans Gloop c'est virable parce que ça permet de faire Maligos, balayage, balayage dans le même tour. C'est fort dans tous les cas, même sans Gloop, parce que comme ça permet de faire Maligos, double balayage, double éclat lunaire. Dans un Maligos classique, t'as pas besoin de cut le LK, il est déjà là. Dans un Maligos classique, en fait, le Dream Florist est là, t'enlèves juste Tuwaggle et Azalina et tu mets Lich King et Alexstrasza à la place. Mais tu cut pas. T'as pas besoin de cutter Lich King. Pourquoi c'est plus un guerrier, comment ça? C'est toujours guerrier en face. Ok. J'ai un sacré problème, toutes les légendaires que je joue sont parties sur toutes les extensions. Ouais, c'est souvent le drame quand t'as des cartes qui ajoutent un peu au jeu à chaque fois. Alors. Et on attaque la fatigue. Hello les amis. T'as testé deck Murloc parce que c'était viable avec cette extension. Ils sont pas viables avec cette extension deck Murloc malheureusement. Et Baston. Et de toute façon la statue va ressortir et va rage quit. C'est comme ça que ça va se passer. Ah non, je veux dire, je vous l'avais dit, pas étoilé là. Merde. On a 6 cartes d'avance, sois tranquille. One does not simply win a brawl. C'est bon, monsieur, faut partir. Et ça prend du trade. Ouais. Très bien. Je crois qu'il la jouera pas. Yup, Saxo 6. Oui. Oui.
Ah, la petite chouette. Inutile donc indispensable. Allez. Et il prend 2 de fatigue. Motovin qui ne lâche rien et BGH. Oh. Prends les 3 fatigues, il y a 26. La chouette la garde que l'on chopait, mes cactoons ressemblent à Omega. Exactement. Ça ferait chier de perdre la game uniquement à cause de mes cactoons. Où je pense avoir gagné à 90%. Après, je suis peut-être obligé de l'utiliser, mais. Je suis pas obligé, je préfère attendre. On va peut-être voir baston externe. Ok. Ah, le petit paquet, il me manquait. En avant. Hop. C'est par quoi lui? Ah, il est floupé. D'accord, il était floupé. Pourquoi je m'en sors dans le Sénélis? Non. Ok. Je crois qu'on est bien. T'es donné 3% d'or mais capitaux, c'est chelou. Faut juste pas que je mette une créature avec 6 de force pour qu'il puisse se traiter tout de suite, c'est le seul truc. Merci Poyok, GG, bon appétit baby. Merci Poyok. Vraiment, je vois que mes cactoons. Genre, il joue sa dernière carte, puis il joue mes cactoons. Je vois que ça. Presque plus de cartes. Pas. Pour la nature. J'ai déjà... Qu'est-ce qu'il joue ? Malfurion, il doit avoir Malfurion en main. Forcément, je vais filer. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait cet homme? Vous savez que je perds sur Moonfire plus mes cactoons. Je viens de me rendre compte. C'est bon. Je perdais sur Moonfire plus mes cactoons et c'est gagné. 2892e passage légende consécutif. Et on passe 298e.